Josh. Coucou tout le monde. Et coucou Athéna, comment ça va? Ça va. Bon anniversaire. Merci. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Au moment où vous verrez cette vidéo, ça fera déjà quelques jours. Mais voilà, ça y est, 11 ans. Mais t'es toute seule? Ouais. Ah non. Oui, on vous l'avait dit qu'Alice est en stage là pendant les vacances. Merci à Plopsaland de nous inviter. Et on fait un gros bisou à Alice qui va regarder cette vidéo. On pense à elle évidemment. Bon courage pour son stage. Nous on va s'éclater, on va vous faire découvrir Plopsaland et tu vas avoir aussi des cadeaux pour ton anniversaire évidemment. Ouais. Yes. Alors, pour rentrer, il y a une porte gigantesque. Tu peux rentrer dans Plopsaland. Excellent. Bon voilà, c'est parti, on va s'amuser. On est arrivé hier soir. Vous verrez notre chambre. Petit clin d'œil à Calice qui à chaque fois dit qu'on a vu sur la mer. Eh bien vous allez voir tout à l'heure dans quelques minutes, on fera une petite pastille de la chambre d'hôtel. Et là, c'est parti. Alors c'est un petit peu comme Holiday Park qu'on avait visité l'été dernier. Allez voir la vidéo, c'est-à-dire qu'on va revoir notre copine Maya l'abeille, Vic le Viking, il y a Eddie. Mais il y a surtout plein d'attractions. Ça y est, on vient de rentrer. Ça me rappelle vraiment quelque chose. Hein. Là, il y avait la même chose. Je me souviens parfaitement. Ah oui. La sauterelle, merci. Hein, la dernière fois, au départ, ils m'ont dit en commentaire comment elle s'appelait, parce que j'avais oublié. C'est Flip, la sauterelle. Il y a Maya l'abeille et il y a Willy, le petit bourdon. Et d'ailleurs, je salue Willy de la chaîne Skyart. Il est là, le petit bourdon. Voilà, avec Maya l'abeille. Et là, il y a une guêpe. Chers visiteurs, l'absence de panne. Allez, c'est parti. Oui, t'es dodo le géant. Eh, hey, je te réveille. Il y a même Adonkin. Adonkin, c'est spécialiste des donuts. Wow. Oh, des plots ça. Il te souhaite un joyeux anniversaire aussi. Oh, ça c'est un beau château, Athéna. Et c'est le bon chemin aussi. Et une magnifique poubelle également. ça plairait à Étienne de EDB Attraction qu'on salue. Tu devrais la mettre. Alors, Plopsaland, hein, c'est en Belgique, vraiment tout près de la frontière, hein, près de Dunkerque. À Depane, c'est le nom de la ville. Allez, on va commencer par les sensations fortes avec Anubis. Ouais. Ouh, ça c'est bon. Ah. C'était bien. C'était rapide. Oh, c'était bien Anubis. Hein. Il y a plein d'airtimes et d'inversions dans Anubis. Hein. Franchement, je vous conseille. La patate, la catapulte au début, c'est génial. Ah, j'en ai la larme à l'œil encore. C'est il m'a serré vraiment les jambes. Hein. Moi aussi, j'ai la larme à l'œil. Hein. Mais pour la suite, j'ai du lourd. J'ai du très très lourd. Il y a celui-là aussi qui est lourd. Ah oui, là, ça c'est du lourd ça. Oh non, j'ai peur. Ah. Elle glisse bien. Allez, VTM Kids, roller skater. Allez, let's go, on va essayer. Ah, y a des belles promesses en perspective quand même. Hein. On voit des choses à droite, à gauche. Et on a envie de tout essayer. Mais que fait cette ananas sur... C'est pas une pizza, ça marche. On dirait du Lego Friends. Un petit peu, ouais. Allez, c'est parti. Check it out. Yes. Cette grande chaise là, après la grande porte, c'est la grande chaise. Wow. Des gâteaux. Non, mais c'est sympa. Ouais. Franchement, s'il n'y a pas beaucoup d'attente, allez-y, faites-vous plaisir. Oh, mais t'étais à la maison? Elle est belle ta maison. Ça, c'est une belle cabane. Hein. Voyons. K3. Alors,
C'est peut-être un groupe belge, hein, je pense. Donc dites-nous en commentaire, s'il y a beaucoup de Belges qui nous regardent, on vous fait plein de bisous. Dites-nous qui sont ce groupe, ces filles du groupe 4-3, je ne sais pas, je ne connais pas. Encore pendu. Oh, ça m'énerve. Hein. Qu'est-ce que t'as fait comme bêtise? Oh, je sais pas. Allez, c'est ouvert, on va découvrir Maya Land, donc les attractions indoor. Sésame, ouvre-toi. T'as vu un peu? Magie. Waouh. C'est très beau, je trouve. Très coloré, musical. Et s'il pleut, si vous venez quand il pleut, c'est génial. Allez, c'est parti. Ouais. Ouais, c'est génial ce qu'Athéna, du haut de ses 11 ans, aujourd'hui, eh bien, ça l'éclate encore de faire des toiles d'araignée. Au début c'est un peu nul, mais la fin elle est brutale, hein. Ah ben voilà, un petit check quand même, ça mérite, moi j'aime bien. Allez, ouais, je valide. Moi aussi. Athéna. Coucou. C'est grand, on est prêt à arriver au toboggan. Ah. Prête Athéna. Elle va plus vite que moi. Tu vas plus vite que moi. Oh non, tu vas te plaît. Et voilà une petite descente avec Liz, une petite fan qu'on a rencontrée ici. C'est trop cool. Bravo. C'est marrant, ça fait des choses enfants. Athéna, je te propose maintenant la forêt de plop, il paraît que c'est pas mal. C'est un dark ride sur le thème des lutins. C'est trop choupi. Oh, j'ai peur. Incroyable. Alors, on est vraiment tout seul en plus, hein. C'est vraiment très familial, c'est très joli, hein, ça dit. Hein. Une belle ambiance, la musique, les bruitages sont sympas. Donc à faire vraiment en famille, voilà. Si vous préférez les sensations fortes, bah, privilégiez autre chose, hein, si vous n'avez pas trop le temps de tout faire. Les poubelles sont toujours aussi sympas. Bon, c'est vrai que c'est propre, hein. Franchement, c'est un parc d'attractions qui est propre. Et là, Athéna a parti faire les autos tamponneuses. Allez, comme à Holiday Park, Wikiland. On a adoré Wikiland. La grande vague. Check Athéna. Ah, ça on adore, hein. Ça c'est une des attractions préférées d'Athéna. Et en plus il y a une vague. Allez, c'est parti. Attention, prêt pour la vague. Allez, là on la passe la vague. Allez, comme c'est beau, Wikiland. Allez, maintenant on va faire Vicky the Battle. On l'avait fait au Holiday Park aussi. Oh, c'est beau. C'est pour son anniversaire, elle va avoir des cadeaux dans quelques minutes. Ça tombe bien qu'elle soit habillée Minecraft. Donc vous allez voir, il y a une surprise Minecraft dans ses cadeaux. Elle n'est pas au courant. Voilà. Allez, c'est parti pour la bataille. Elle est trop belle aussi cette poubelle de Vic le Viking. Bon, c'est bien fait arroser, hein. On a bien arrosé aussi les gens. Ouais. C'était trop drôle là, cette battle. Oh, ça y est, on peut la faire. Vite, on recommence. Allez, c'est parti. Et en plus, elle descend, elle monte, elle descend, elle monte.
Ça y est, on est en haut, et ça monte et ça monte encore. Où va-t-on voir la mer? Où est la mer? Où est la mer? Où est la mer? Là-bas. Je sais pas si vous voyez la mer. Wow. Oh, il y a du vent, on n'entend pas sans doute, mais c'est pas grave. Pas grave. C'est trop beau. C'est trop beau. Ça y est, on remonte. Ça, c'est fun. Là-bas, c'est le roller qu'on a fait tout à l'heure. Ça, on va le faire, ça, on va le faire. Regardez la tête de dinosaure là-bas. On va le faire aussi, c'est Dino Splash. On kiffe, merci à Plopsaland encore une fois pour leur accueil. Et leur accompagnation et bon anniversaire, Athéna. Merci. 11 ans. Ouh. Et ça y est, c'est terminé. Et ben voilà, on a pris une saucisse sur une balançoire. Oui, ça balance. Ouais, celle-là, elle a l'air appétissante. Et après, on continue. Bon anniversaire encore, il n'y a pas de gâteau d'anniversaire, mais on va se faire un beau donut tout à l'heure. Et juste avant, les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux. Puis j'ai des cadeaux. Ici. Vous savez? Des cadeaux. Des cadeaux pour ton anniversaire. On commencera par celui-là, tiens, le plus gros. Ça, c'est une boîte. Allez, c'est parti. Cadeau d'anniversaire, Athéna. Alors, ça te plaît? Non, c'est pas beau, c'est pas beau. Regardez, enfin, je sais pas si on peut utiliser dans Kirby's Return to Dreamland. On peut mettre des amiibos dans Dreamland. Il est trop souple, regardez ça. Alors, ton avis, c'est quoi? C'est plus facile peut-être. Le jeu Minecraft Legends. Ça tomberait bien, on t'a habillé en Minecraft. T'as dormi avec tes copains en Minecraft. Parce que on va continuer dans Minecraft. Ouais, ça te plaît? Minecraft Legend Deluxe Edition. C'est pas les façons de produire. Hein. On va ranger tout ça et on va continuer les attractions. C'est parti, Athéna. Athéna, avant de faire l'attraction suivante, je te propose de voir la chambre où on a dormi cette nuit. Petite dédicace, petit clin d'œil à Calice avec vue sur la mer. On regarde ça maintenant. Oh, c'est joli. Nous sommes au 5e étage, c'est joli hein. On est en plein cœur du centre-ville de La Panne. Ah bah ouais. Oh, c'est parti. Et bien sûr, on a vu sur la mer. On a vraiment vu sur la mer. C'est le comble que vous le savez à chaque fois qu'on part en voyage. Bon, c'est dans les terres souvent. Et on se dit, tiens, on a vu sur la mer. Mais c'est évidemment pas vrai. Mais là, on a vraiment vu sur la mer. Voilà, dédicace à Calice. C'est vraiment en face de la mer. Ah, génial. On a une vue sur la mer et on a une vue bien haute. Hein. Trop beau. Ouais. Voilà, c'est cosy. Allez. Oh, il saute trop bien. Il saute bien en plus. Oui. Ouais. Et voilà. Trop beau. Et puis, il y a salle de bain, salle de douche, douche italienne, c'est top, c'est génial. Ouais. Ça te plaire? Oui. Alors, maintenant qu'on a bien mangé, tu es équipé pour Dino Splash. T'as mis ton manteau parce que là, je pense qu'on va se faire tremper. Yes, let's go. Eh, t'es parti pour Dino Splash, mais ta capuche, tu vas compter. Oh, Dino. Un Dino Splash. On regarde, ça, c'est un brachiosaure, je pense. Ou un diplodocus. C'est pas dangereux, c'est végétarien. C'est vrai que moi, quand j'étais à l'école, le brachiosaure, ça n'existe pas. Oh, ça c'est beau. Attention, le sol, c'est de la lave. Les murs aussi. Ah, il y a déjà une première descente. Non. C'est pas prête? Non. On est en panne. Restez bien assis. L'attraction est interrompue pour l'instant. Suivez les instructions. Merci de votre collaboration. Alors, c'est pas grave, ça arrive. Hein. C'est causé que des fois, il y a un petit souci technique. Plus il y a de sécurité, plus il y a d'arrêt. C'est logique. Comme ça, on a le temps de se préparer. Hein. Voilà, exactement. Restez bien assis. L'attraction va démarrer. Ah. Bon, on en était à la cascade. Hein. Donc, on disait... Ah.
regarde-moi ça. Ça, c'est pareil, c'est un T-Rex. C'est végétarien. Non, mais je le connais, lui, il est vegan. Ouais, c'est D'ailleurs, la photo a déjà été passée, hein. Ouais. J'ai mis mes mains sur mon visage, comme ça. Ça y est, on arrive. Ah, il y a les autres. Les autres. Wow. Terminé. Allez, c'était plein de péripéties pour le coup, plein de sensations. Voilà, c'est la première fois qu'on a ça, mais c'était très sympa finalement. Allez, next. Allez, on continue. Et bien justement, on va faire le dragon. Voilà, il va passer, il y a deux tours. Regardez. On est parti, regardez, ça c'était l'arrivée. Ouh, dino splash. Coucou. Sympa. Allez, check en fait. Yes. C'est beau, regardez le château. Attention, deuxième tour. Oh, c'est un copain? Mais moi je suis vegan! Ah, tu n'as rien à craindre! Ah, bah c'est gentil! Oh, il est trop mignon! Mais non! mais je te casse la langue, j'ai le droit! Bon, t'en as pensé quoi du dragon? Trop, trop cool! Ça, c'est ma boutique préférée au niveau ambiance pour l'instant! C'est beau ce petit coin, c'est le coin suisse. Ah bah il y a Heidi forcément. Coucou Heidi. Ah oui, là, je sais plus comment il s'appelle. Ah bah elle est sans commentaire, tiens. Allez, dans cette vidéo. Je dirais Peter Pan en jaune. C'est pas Peter Pan. Là, il y a bien sûr les poubelles thématisées. Et lui, il est trop choupi. Ça, c'est le chien d'Heidi, ça. Et maintenant, on va faire ça. Trop bon. Il est incroyable. Incroyable. T'as raison Athéna, c'est le mot que tu as dit parce qu'on a quitté le ride d'Heidi. Et c'est vrai qu'il est top. Un wooden coaster, mais il est vraiment top. Allez, next. Surtout le début là où on fait. Ouais, il est génial, effectivement, ouais. Il y a un virage relevé. C'est vraiment trop sympa au niveau des sensations. J'adore Plopsaland. Allez, maintenant on va faire ça Athéna. The Ride of the Happiness, je crois. Non seulement, bon, c'est un coaster, on le voit, mais en plus, c'est les spinning coasters, c'est-à-dire que les nacelles tournent sur elles-mêmes. Et en plus, il y a des inversions, on peut le voir là-haut. Et il y a aussi pas mal de airtimes, on peut le voir sur le côté ici. Donc des airtimes, des inversions, du spinning, du coaster. Là, tous les ingrédients sont réunis pour faire de cette attraction eh bien, un souvenir impérissable. On va voir ça maintenant. The Ride to Happiness. Allez, on monte à bord. Oh, oh la vache. Merci.
pense à Calife qui va avoir le seum quand on va lui raconter ça. Incroyable. Ouais, on dédie cette vidéo à Calice, on va y aller dès le départ on a la tête en bas, tout doucement en fait, tout doucement, et après il y a une accélération, et regardez, et là c'est parti, c'est juste fou, alors j'ai peut-être mal filmé parce qu'en fait ça tourne en même temps, il y a des inversions, ça tourne, même moi j'étais perdu, je ne savais plus où j'étais, où était le nord, où était le sud. Donc là pour l'instant c'est vraiment notre gros coup de cœur de Plopsaland, ce ride to happiness. Coucou Calice, elle aura trop aimé le faire. Calice, on te fait un gros bisou là où tu es. On le refera avec elle plus tard. Ah, faudra qu'on revienne exprès. Ah oui, les Ardailles, là c'est la fin. Ah, oh, c'est génial. C'est trop bon. Ah, faut qu'on le refasse une deuxième fois, on filmera peut-être pas. Allez, c'est l'heure du dessert goûter. À la tienne, et bon anniversaire, c'est un gâteau en fait. Et moi j'ai pris un donut citron, je connais pas. Et moi j'ai pris le vanille coco. Allez, bon app. Bon app. Anubis, on retrouve Anubis, qui est notre deuxième préféré hein, de ce parc comme ça. Ouf. Ah, c'est quoi ton deuxième toi? Le bois. Bah oui, mais c'est bien aussi le bois. Hein. Celui forêt, en bois. La forêt de non, non, celui en bois. Ah, celui en bois, je crois que c'était le bois de Plop. Non, celui-là, c'est le dernier, c'est pas la même chose. Ouais, c'est plus pour les petits, c'est vrai, mais c'est sympa quand même. Donc là, comme vous pouvez le constater avec la boisson, avec la théma, avec les figurines, on est au pays des licornes. Non, des pirates, évidemment. Et on va faire ça, c'est-à-dire ça. C'est parti. Et c'est tout. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ça valait son pesant de cacahuète. Ouais. Et après, on fera ça. Voilà, c'est du classique, mais c'est de l'efficace, et on adore ça, le bateau pirate. Là, et la parade en Mercedes, hey, c'est classe, c'est original. Et toi, t'as toutes les dédicaces, hein. T'as à Heidi. Et à Vicky. Et il y a Maya. Et là, regardez, c'est une attraction avec des tracteurs. On peut accélérer, on peut freiner comme on veut, et en plus, il y a des vrais animaux. Bon, allez, on l'a fait quand même, le tracteur. C'est bien la première fois que je fais un tracteur en attraction. Et je trouve ça très original. Et c'est pas moi qui conduis, c'est Athéna qui a la pédale de l'accélération. Ce coup-là, lâche, bon, on s'arrête, tout simplement. Allez, ça c'est magique. Il y a même le petit bout de tracteur. Et donc, regardez notre âne préféré qui est ici. Comme il est beau. Cette vidéo est bientôt terminée. On termine en beauté, tranquillement. On avait commencé sous les chapeaux de roue avec l'Anubis. Allez, on va se retrouver pour la conclusion là dans quelques secondes. Le temps de revoir notre copain l'âne. Il va falloir qu'on aille dans une boutique, dans un shop pour acheter un magnète. Parce qu'on achète un magnète partout où on va. Et notre frigo est rempli de magnètes, vous le savez. Et Athéna, tu le disais, c'était une de tes journées préférées. Tu t'es éclaté pour ton anniversaire. Ouais, et les Dunkin' étaient très bons. Bonjour l'âne. Au revoir l'âne. Magnifique ce cadre là, c'est trop beau. Ouais. Oh, ben vous êtes beau comme ça. Bravo chevalier de la table ronde. Vous avez accompli cette journée d'anniversaire avec brio. Vous avez mérité ce magnifique château. Ça fait des rimes en haut.
Bon, en tout cas, j'espère que t'as aimé tes cadeaux, que t'as aimé ton gâteau, que t'as un donut, mais bon, ça rime pas. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo également. Laissez un petit pouce en l'air, partagez, commentez, abonnez-vous. Merci en tout cas pour tous vos commentaires pour l'anniversaire, surtout sur Instagram, l'anniversaire de d'Athéna, parce que vous savez que c'est le 3 mai, et à chaque fois, tous les ans, bah, on se souvient de ton anniversaire, ça, c'est super cool. Merci. J'espère que t'as aimé ta journée. Oui. Allez, saute. Viens, viens, attends. Oui. Petit cœur. Bon, c'était génial. Oui. Ouais. Bon, il est temps de rentrer, malheureusement. On va retourner sur Paris. On va retrouver Calice. Et non, pas Calice. Plein de gros bisous. On se retrouve très vite sur Studio Bubble Tea. Et d'ici là, n'oubliez pas. Soyez bien. Soyez bon. Et vivez vos rêves. Et merci encore à Pepsiland. Et merci encore à Popsiland. Non. À Plopsaland. Je vais y arriver, je suis fatigué. Et merci encore à Coca-Cola Land. Non plus. Et merci encore à Plopsaland. Et voici le magnète dont vous parlez. On a acheté celui-ci. Voilà.